Et bonjour à tous, c'est Brass, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode 12. Alors, on va faire la séquence 7 mémoire 2, informer Mirabeau. C'est parti. Merde, il est en haut. Il est encore en haut. Élise, Monsieur Mirabeau. Voilà. Élise. Élise. Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non. Ils n'ont déjà aucune confiance en moi, je suis la suspecte toute désignée. Pas tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Alors... Examiner. Donc déjà... Qu'est-ce que c'est? C'est... l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Après... là... du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Ok, bon, le livre. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. L'accusé? Oh, je suis pas l'accusé, c'est pas elle. Je sais que c'est pas elle, attends. C'est sûr et certain en plus. Donc, autrement, ici, parler. Bon, on va parler à Maître Kemar alors. Allez. Lui, il a rien entendu. LOL. Il n'a pas donc. Allez. Poussez-vous. Je parie qu'il avale. Qu'est-ce que c'est, Templier? Ok. Chargement. C'est un Templier qui aurait fait ça. Bizarre. Pour moi, c'est quelqu'un de là qui voulait pas l'alliance. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est sûr et certain.
Ouais, lui, ouais. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Pour moi, c'est un assassin qui l'a tué. C'est obligé. Accusé. On va aller voir quand même, mais pour moi, c'est lui. Hein. Obligé. Oh, il est mort. Oh là, mon Dieu. Ouais, bien sûr, c'est toi qui l'as tué. Je sais très bien. Alors Arnaud, tout va bien? Allez. Alors. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà. Et voilà, voilà. Chargement qui dure 3 heures, comme d'hab. Hein. Je pense que je le répète dans tous les épisodes, mais c'est un truc de fou. Allez. Voilà. Oh, mais il est trop loin, sa mère. Il est où? Il est là. Vas-y, y'a pas un truc tout près que je puisse me téléporter? Oh, y'a rien. Oh, c'est chiant. Bon, je pense que je passerai là parce que. C'est chiant à chaque fois là-bas. Allez, tiens. Au milieu, juste à côté, c'est pas comme s'il était. Voilà l'étalage. Voilà, c'est bon. Il n'a plus toute sa tête. Allez, plonge. Allez hop, poussez-vous. Bon ça, heureusement que ça a comme vite. Hein. Alors, hop, hein. Eux, il me faut pas chier. Dis-moi où est caché l'argent. Ah. Franchement, ça vaut la peine de mourir pour ça. Tu mets ma... Hop, hop, hop là. Maudit meurtrier, je t'ai vu. Garde, vous avez mes plus humbles remerciements. Vous avez mes plus humbles remerciements. De rien. Tu vas pleurer ta mère. Non mais... J'avais envie de les tuer. Ça me démangeait.
c'est je me suis dit que tu aurais besoin. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends. Bon sang, reviens ici. Arrête. Attends. Plaqué au sol, oh, ok. Vas-y, je pars de là. What the fuck, ça sert à rien. Allez. Je veux seulement te poser des questions. J'imagine que t'es dans... Hop, vision comme ça. Approchez-vous de la cible, je sais quoi. Non. On a foutu de vous là, putain. On a foutu. Arrête. Attends. Allez, cours là, toi là. Ne me faites pas mal. What the... Oh là. Reculez. Oh, Léon. Oh là, on l'a plaqué au sol. C'était chaud. J'avais failli échouer. Oh, pitié. Oh, je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Oh, il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Oh, je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez, c'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes ces bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Et voilà, séquence 7, mémoire 2. Bah, on peut pas l'accuser, l'autre. Bah, c'est pas juste. C'est mission annexe. Donc, les combien 13. Ok. Ok, ok. Donc, c'est reparti. Là-bas. Confrontation. Oh, yeah, yeah. Ah, 4, ça va être chaud quand même. Hein. Bon. On va voir. Au pire, je la prends en 2. Je sais pas ce que je ferais, mais. Ouais. C'est un peu long comme d'hab. Ah, c'est bon. Ouais, bon. Allez.
jouer. C'est parti. Bon, c'est assez difficile, c'est un 4 étoiles quand même. Quel endroit charmant. Qu'espères-tu y trouver ? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste ? Tu te prends pour un chien de chasse ? Quelque chose comme ça. Tout ça, c'est du poison ? C'est quoi ce bordel ? Hop, merci, au revoir. Après, là, là, là. Ok. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr ? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Elise. Il faut que je le fasse seule. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Allez. Ne t'en fais pas. Je comprends. Fermé. Voilà. Il t'en a fallu du temps, merdeux. Bellec ? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. Mais non. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau ! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie ? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit ? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants ? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres ? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Et cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bellec, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Bellec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Oh la vache, oh l'enculé.
Heureusement que mon épée est efficace quand même. Tu n'es que pauvre merde sans cervelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Oh, ou c'est pas assez fort, c'est quoi ce bordel? Ah là. Je le fais, Bedek. Mais je ne pense pas comme toi. Voilà. Ah, c'est chaud en plus. Voilà. Oh, le dos. Ouvre les yeux, petit. J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Voilà. Oh putain, à chaque fois il me fait niquer. Voilà. Oh, ça va. Arnaud! Je n'ai rien. Reste où tu es. Il est où? J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille! Rien ne nous oblige à nous battre, Bellec. Tu ne me laisses pas le choix. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis 2 siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres. Je sais pas qu'il est là-haut, ce qu'on a. Ah, il l'a trouvé, non? Quoi de bordel? Il est pas là. Mirabeau qui n'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Bellec, tu me remercieras un jour. J'ai laissé ta chance, merde. En fait, faut faire comme ça. À chaque fois, faire comme ça, et on le à chaque fois. Vas-y. S'il te reste une once de conviction, si tu n'es pas qu'une peau de ruche en amouré, tue-moi maintenant. Tac. Et voilà.
tourne auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merdeux. Fais tomber ça. Eh bien. Je sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Ben voilà. Alors, séquence 7, mémoire 3, terminé. Allez, continuez. Nickel, en plus. Nickel. Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais on a encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiller dans les données sans l'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on a on a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs, et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. T'es sûr que de toute façon il y a encore ça là? Ah oh, heureusement je suis pas loin. On se retrouve de l'autre côté. Ok. Non. Oh le con. Voilà. Petit succès, mystère, je sais pas quoi, pas vu. Bon bah, terminé la 57. Ok. Nickel, nickel, nickel. Oh là là, quelle histoire. Voilà, en plein chaos de code endommagé. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol. Bon, je sais pas si faut faire ça. On va le faire. Oula, on se retrouve à la guerre, là. Ah, on se retrouve à la guerre. Paris occupé en 1700, bah voilà, pendant la première guerre mondiale. Ouais. Ah, rejoindre la tour Eiffel. Regardez-moi ça. Alors attendez. Parce que ça, ça peut faire une miniature. Alors. Comme ça, ouais, je pense. Pas mal. C'est comme autrefois. Oh. Les mémoires incomplètes sont bien trop dangereuses. Tu dois trouver une issue. Je vais faire de mon mieux. Oh les cons. Me faire niquer. Voilà.
vraiment bien fait. Oh, oh, on va se faire niquer, on va se faire niquer, on va se faire niquer. Oh là, chaud, chaud, chaud. Regardez-moi. Oh, non, c'est bon. Regardez-moi cette vue. Ok. Voilà. Un peu au sommet de la tour Eiffel. Sont sérieux. Sérieux. Il y a eu du fil. Malade. Ah. Reviens là. Ah. Oh, que la tarasse. Mais il va mourir lui. Voilà, merci. Putain, franchement, c'est trop bien fait. Je sais pas s'il faut monter là, mais. Ah, fais vite. On est quand même à la première guerre mondiale, hein, donc. Allez. Hop là. Allez. Oh l'envol, mais c'est pas possible. Oh,
deux avions en plus. On arrive bientôt mort. Et voilà. Alors, parcelle entre saveur et la résistance, mémoire terminée. Continuez. Faut pas le presser. Et nous sommes de retour. Merci, Deacon. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. C'est pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux quatre coins de Paris. On croirait une meute de chiens de chasse. C'est noté. On t'appellera si on a besoin de toi. Donc voilà. Ah, y'a quoi là? Salle de tenue débloquée. Bon, allez, on va aller un petit coup voir. On n'est plus à 2 minutes près. Ok, c'est pas là. C'est en haut. Ok. Tenue de Belek. C'est celle-là, une nouvelle tenue. Donc, on va cesser là pour cet épisode. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut !